Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, les consultations, Félix Tshisekedi à l'écoute, bousculade au Palais de la Nation. Le Congo nouveau, Kinshasa promet un triomphe à Katumbi, invité par le chef de l'État, le vrai modérateur, la Mouka, divisé autour de la démarche de Katumbi, union sacrée. Mesdames et messieurs, la démarche de Katumbi, si vous le voulez, j'en parlerai dans la deuxième partie où je vais faire un peu des analyses sur ces consultations. Non, je veux dire sur l'union, la nécessité de l'union sacrée. J'en parle dans la deuxième partie. C'est en ce moment-là que vous allez vous rendre compte de ma manière à moi de voir les choses hein, sur la question de l'arrivée de Moïse Katumbi. Mais il faut rappeler que Moïse Katumbi va être à Kinshasa déjà à partir d'après-demain. Je veux dire, vendredi, il sera à Kinshasa. Probablement, il sera reçu par le président de la République samedi. Et peut-être que dimanche, il pourra recevoir quelques personnalités. Et puis après, lundi, il pourra regagner Lubumbashi. Bon, si jamais le programme est celui-là. Mais tout à l'heure, parlons d'abord de ces consultations. Mesdames et messieurs, je voudrais réfléchir librement sur cette question des consultations. On ne sera peut-être pas d'accord et je ne serai peut-être pas... je ne saurais convaincre tout le monde, mais je donne mon point de vue à moi sur la question. Vous avez suivi la vidéo qui a fait le tour du monde, cette vidéo qui a finalement coûté les arrestations à des journalistes, principalement ceux de Bossolo, la politique. Vous avez entendu beaucoup de gens commenter sur la question, sur la vidéo. Vous avez entendu la presse, les médias en parler suffisamment sur la question. Mais il est important, moi je le dis toujours, il est important de ne pas céder aux émotions. Il est important de ne pas non plus céder à l'extrémisme. Mais plutôt, ce qui est utile ici, c'est de revenir sur la raison. Nous disons ceci, et nous l'avons dit, nous continuons à le dire. Le président de la République est une institution qui mérite respect, qui mérite honneur et qui mérite révérence. Ça veut dire, le président de la République, encore qu'il s'agit d'une affaire officielle, lorsque le président se lève et qu'il entre dans une salle, toutes les personnes qui se trouvent dans cette salle doivent impérativement se lever, sauf les personnes à mobilité difficile ou à mobilité réduite. Mais les conseillers du président doivent se lever et se tenir debout comme un drapeau. Vous avez vu l'attitude du directeur de cabinet du chef de l'État. Il s'est levé. Au moment où le président entre dans la salle, il s'élève. Et c'est comme ça qu'on se tient. Alors que les autres, non, ils ne s'étaient pas levés. Mais le problème, il faut encore aller plus loin. Le problème, c'est aussi au niveau de l'éthique professionnelle. Très souvent, le Congolais a tendance à mélanger les choses.
Moi, je dis toujours, soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas le premier, quand on a vu une chose, on crie, alors que nous commettons tous les mêmes choses au plus bas niveau. Le problème avec nous, c'est quoi? Parce que nous avons une légèreté dans le sang. Nous avons la culture de la légèreté. Le Congolais a la culture de la légèreté. Quoi qu'il a atteint un poste important, il est toujours léger, même dans sa manière de faire les choses. Nous ne respectons pas l'heure. Et ça, c'est même les chefs. Non, ça dit que c'est un peu comme si c'était une mentalité. Non, je vais même dire, pas comme si c'était un peu, mais c'est une mentalité qui nous traîne depuis longtemps. Le Congolais ne respecte pas l'heure. Il ne respecte pas la parole. Il n'a aucun principe. Il n'a aucune dignité dans ce qu'il fait. Alors, quand nous voulons parler des conseillers, parlons aussi de tout ce qui se passe dans nos vies. Moi, j'étais dans beaucoup de ministères où j'entends un conseiller appeler le ministre papa au travail. Le ministre a pris sa fille comme conseillère ou son fils comme conseiller et ce dernier l'appelle papa au travail. Est-ce que vous imaginez ça? Ça veut dire que nous ramenons les histoires de la maison, nous amenons ça au travail. Et c'est la même chose. Quand on est ami, quand on est pote, quand on est cousin, quand on est... Ouais, c'est comme ça. Le Congolais, je ne veux pas dire l'Africain, lorsque vous lui tendez la main, il vous prend le bras. Souvenez-vous de mes émissions, je le disais au président Félix Tshisekedi. Si vous amenez votre mentalité de la Belgique, vous amenez ça ici au Congo, ça vous créera des problèmes. Les Congolais ne comprennent pas ça. Vous allez croire que vous êtes gentil, vous êtes poli, vous êtes courtois, mais eux ne comprennent pas la courtoisie, ils ne comprennent pas la gentillesse. Ils confondent ça, ils confondent les choses. Le président peut être gentil avec vous. Il peut être cool avec vous, calme avec vous, tendre avec vous. Il peut être affectif même avec vous. Il peut avoir aussi envie de discuter, de rire avec vous. Mais il faudrait pas transposer les comportements là, cette familiarité là, ce qui n'est pas, à mon avis, c'est pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des familiarités, d'avoir des relations. Non, ce n'est pas un bon problème d'être l'ami du président. Non, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas qu'on exagère. Ce n'est pas un problème d'être l'ami du président. Mais le problème, il faut qu'on mette des limites dans l'amitié du président. Il y a un moment donné, encore que le chef de l'État, même quand il est un ami, il est président de la République. Contrairement à tous les autres chefs des corps. Vous voyez? Contrairement à tout. Ouais, le président de la Cour constitutionnelle, il est président de la Cour quand il a ses vêtements, quand il est en train de travailler. Dans l'exercice de ses fonctions, il est président de la Cour constitutionnelle. Mais quand il sort, quand il dort chez lui à la maison, bon, il pose un acte, on ne va pas dire que c'est la Cour constitutionnelle qui a posé cet acte-là. Parce que ce n'est pas lui l'institution. Mais ce n'est pas le cas avec le chef de l'État. Le chef de l'État, même quand il est en dehors, je dis quand il est normal comme ça, le chef de l'État, à Bundi, on dirait l'institution président s'est battue. Parce qu'il incarne cette institution-là. Ça veut dire même dans votre manière de travailler, même dans votre manière de jouer, même dans votre manière de partager, vous devez avoir des limites, sachant que lui est revêtu d'un caractère, il y a président de la République. Je crois. Mais au-delà de tout, mes frères, au-delà de tout, si nous voulons bannir ce comportement, commençons à enseigner la culture du travail, la culture professionnelle. Ce sont les éléments que les gens n'ont pas. La culture professionnelle, comment on se tient au travail? Comment on se tient au travail? Comment est-ce qu'on discute au travail? Quelles sont les relations qui doivent y avoir au travail? Mais faites un tour, si on plaçait des caméras dans le ministère de la mission à Congo, mais c'est scandaleux. Hein? C'est scandaleux. Donc moi, ce qui s'est passé en tout cas à la présidence, ça ne m'a pas étonné. Ça simplement révélait la nature, notre nature. Ce qu'ils ont fait là, c'est ce que tout le monde fait dans les cabinets ministériels. Peut-être pire que ça. Mais comme les Congolais sont hypocrites, quand une chose arrive, ils sont prêts à jeter les pierres, alors qu'eux-mêmes font la même chose. Si on demandait de tuer l'attitude, beaucoup de gens mourraient aussi, ou mourront aussi si vous voulez. Non, moi je crois que si vous voulez changer les choses, il faut changer la mentalité. Il faut mettre de la discipline, c'est très important, de la discipline. Mais j'insiste, l'attitude d'hier est d'avant-hier, est inacceptable, incompréhensible, intolérable. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut même pas justifier ça. Mais maintenant, nous, la différence des autres, nous ne nous condamnons pas seulement. Moi, je condamne, mais j'essaie de voir d'où ça vient le problème. Et je propose au gouvernement, je propose à l'élite congolaise de travailler la source du problème, la cause du problème. C'est l'ignorance professionnelle, c'est l'ignorance des principes, c'est beaucoup de choses en même temps. Nous ne sommes pas structurés. On dit les choses commencent à 13h, on vient à 15h. On dit les choses commencent à 10h, on vient à 12h. Et
Très souvent, c'est les chefs. Regardez les réunions. On ne commence jamais pile à l'heure, pile à l'heure, pile à l'heure. Non, on dit heure du Congo, heure du Congo. Et on s'est habitué comme ça. Mon chayaga va 12 heures. Quand on dit mon chatokuta va 12 heures, c'est à partir de 12 heures que quelqu'un commence à se préparer. À 12 heures. Un rendez-vous de 12 heures, quelqu'un se prépare à 12 heures pour qu'il arrive à 13 heures, à 14 heures. Et bizarrement, il a des explications, il a des excuses. Au lieu même de dire non, excusez-moi, je me suis tout ça. Mais il trouve des excuses quand même. Non, vous savez, hein, j'ai eu ça comme problème, j'ai ça comme problème. C'est ça le problème congolais. Une fête qui va commencer à 20 heures. Vous allez voir jusqu'à 22 heures, les gens ne sont pas encore là. Bizarrement. Ils ne sont pas encore là. Et ils s'appellent au téléphone. Moi, mon cher Bonikou, on a côté déjà. Bonikou, on a commis déjà. Ça veut dire quoi, commis déjà? Parce que, commis, on a quoi? Si tout le monde fait ce que tu fais, personne ne fera la même chose. On ne va jamais venir dans une fête. Si tout le monde doit attendre que mouton compte pas, mouton moua koubaya mouton moussoute. Tout ça, c'est là-bas, taro et dérangé mboka. On ne peut pas changer. On ne peut pas développer. Ce qui te une notion, il y a la heure, tu as une notion, un principe, et ça passe. Et ça passe. Donc, voilà un peu ce que moi j'allais dire. Mais mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois vous inviter sur une autre dimension de débat. La question est celle-ci. Est-ce que c'était important vraiment que le président de la République a invité la presse pour que ben, couvrir ma consultation au Yaye? Est-ce que c'était nécessaire? Parce que regardez, messieurs et dames, allons-y calmement et froidement. La notion ici, c'est que le président consulte. C'est lui qui consulte. Donc, en principe, on n'a pas besoin de savoir les conclusions de ces consultations journalières. Aïe, c'est qu'il y a un acquis qu'on s'est consulté, n'a qu'au zong, après, on peut s'abîmer notre point de vue, n'a qu'au point, on peut s'abîmer notre décision. Mais maintenant, là, on est tous au courant de ce qui s'est dit. Nous sommes tous au courant. Alors, en ce moment, à un moment donné, nous quittons la logique des consultations pour être dans une logique intermédiaire entre une certaine concertation ou des mini-conférences. Parce que j'estime à beaucoup de niveaux que ce n'est pas normal. Pas normal pourquoi? Le chef de l'État a besoin d'une discrétion. Parce qu'en politique, on se regarde. En politique, on fait des lectures d'analyse. La politique, ce n'est pas Obozomona. La politique, c'est Obozomonate. C'est ça la politique. Mais maintenant, à un moment donné où on met tout à nu, tout va être ça, et ça c'est compliqué. J'aurais aimé que le président de la République, presse ses alanango, il n'y a pas de problème, presse ses alis, mais que là où les consultations se passent, elles allaient fermer. Et d'ailleurs, dans un certain degré, ou dans une certaine dimension, il y a dialogue, pardon, il y a consultation, même les conseils du chef de l'État, ils allaient sauter. Parce qu'il y a des choses où tout le monde a déjà sommé, mon président, il y a président en Russie, président en Boué, président. Bakoutani, bango, bango, le tête à tête, pas de caméra, pas de photos, pas de conseillers, bango, mi balekak. Il y a des choses qui doivent se dire eux-mêmes. Bango, mi le bela, bango, na bango. Parce que Makambo, ça, les gens, il y a ingaté. Bango, ça, t'es que, oh, inga, t'es inga, pité. Ils ne vont pas discuter sur, t'es ça, la inga, n'engenin. Ils ne vont pas discuter sur, t'es ton aéroport, place, nini. Ils vont pas discuter sur ça. Ils vont discuter sur l'assiette du pouvoir. Et quand on parle de l'assiette du pouvoir, on parle de la discrétion la plus totale. Seul le chef de l'État ne peut pas se trahir lui-même. Mais même les collaborateurs peuvent trahir. Donc, Babiloko, il y a qui chef de l'État, Yemokonde Ayokayango. Moi, j'étais en train d'imaginer un format. Le chef de l'État consulte discrètement. Sinon, ceux qui m'ont tout fait, Babima, Babimi, ça a une déclaration. Le chef de l'État aurait pu demander à toi, pas ça là-bas, mémo. Pas ça là-bas, mémo, comme ça, tout le monde va lire. Parce que lorsque vous rencontrez M. Moussengo, Abimi à l'obino, le président m'a appelé pour la boue, 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 boue. Le peuple sait. Le peuple garde ça. Le jour où le président vient donner maintenant les résultats, ma décision n'aïe. Ce que tu m'as dit que ma décision n'aïe, et qui est à l'encontre, tout est compliqué. Parce que toi, dans le monde, il y a Internet, les lots, toutes les vidéos de le Kangakangango, ils vont opposer ça au discours du président de la République. Et c'est ça le mal. Le chef de l'État devrait être en principe imprévisible. La condition, oh, il faut que le chef de l'État soit imprévisible. Mais j'ai comme l'impression que le chef de l'État se trompe d'époque. Le président de la République se trompe d'époque et il se trompe des contextes. Le chef de l'État, je suis convaincu qu'au fond de lui, il croit encore à la bonne foi. Il y a FCC. Je crois qu'il croit encore à leur bonne foi. Ils ne reviendront jamais à la raison parce qu'ils n'en ont pas.
Il y a pas longtemps, on a suivi hier, un monsieur est allé dire non, le chef de l'État, on est sur la table, on discute tout, il n'y a pas de problème. Et même l'hypothèse, il y a Kabila les agacs. Ce sont des propos qui peuvent fragiliser. Vaut mieux ne rien dire que d'affirmer des choses pareilles. Parce que si vous croyez que c'est ça la diversion, c'est que vous amenez même les consultations, la diversion en gros, ce qui n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce que Bosengo peut dire à Félix Tshisekedi de discret, dans la présence de ma caméra, dans la présence de ma photo, dans la présence de ma conseil? Il ne le dira pas. Il va rester dans les principes. Il faut réformer la CENI, il faut réformer la Cour constitutionnelle, il faut réformer l'armée, il faut donner le pain, il faut donner à manger aux gens. Il va se limiter là. Mais ce qui est là qui est discret, que Moutouaza Tega Bangomi Balé, le monsieur Bosengo peut dire des choses, ou avant de dans la 4e Mouté Manaël, sachant que nous avons vu ce Mibale. Mais ce qui bat Moussou, comme et pire encore, la presse est là. Et puis après, les vidéos vont fuiter et on va insulter les gens, on va les arrêter. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, je crois, à un moment donné, moi, je propose, parce qu'il ne faut pas que j'aimerais à critiquer, je propose. Monsieur le Président de la République, je sais que ça va être difficile pour vous. Si vous allez m'écouter, si vous allez écouter un Congolais, moi, je vous propose deux schémas. Le premier schéma, suspendez les consultations publiques. S'il vous plaît, monsieur le Président. Demandez à la presse de rentrer. Basa la Moussala na Bango normalement, mais il n'y a plus de couverture médiatique. Suspendez, Babiloko, oh, il y a folklore, il y a Batoubaye, Bamouna Bango. Suspendez cela. Je suppose que vous allez bien. Ma proposition, toujours dans la même logique, Ezali, monsieur le Président, de délocaliser le lieu de consultation et banapé même pas. Ni l'ordre du jour, ni qui vous allez recevoir. Et les cas de façon discrète, mouton et batté, bouemba qui batouapi, n'en selle toapi. Cette procédure peut se faire calmement. Ça veut dire, vous avez la liste des gens que vous voulez consulter. C'est le chef de l'État qui les appelle. Service à protocole et gobenga bango. Monsieur Tel, le Président va vous rencontrer aujourd'hui, par exemple, à Mbanzangou. Et vous vous retrouvez dans Mbandangou, vous discutez, vous rentrez. Bon, monsieur Tel, le Président va vous rencontrer, par exemple, en Ansele. Et vous allez Ansele, la Kouta, Kouta, Nabino. Non, moi, je voudrais que... Et là, quoi, Moutouba, qu'on a payé à Ebayangote. Tous les résultats, les conclusions, Batouba et Bayangote. Batouba, si tout, que chef de l'État, Bimi, a fait les mêmes déclarations. Parce qu'il y a une minute, on est en train, si on ne fait pas attention, on est comme en train de dévoiler les plans. Parce que, bon, on va faire la lecture, Nabino. Ils sont pas des bêtes. Le FCC est en train de faire une lecture. Bon, on va taper Bino, on va taper une lecture, Nabino. Parce que si on regarde les propos de Nanga, par exemple, regardez les propos de Nanga. Ceux qui ont des esprits éveillés comprendront. Nanga dit au chef de l'État, je suis légitime. Je ne peux pas organiser les élections. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, dans leur hypothèse, ça veut simplement dire, ne dissolvez pas l'Assemblée nationale. Il ne faut pas dissoudre l'Assemblée parce qu'on n'a pas les moyens d'organiser les élections. Et je suis convaincu que Batouana, tant Baobima, Batouo est à côté Kuna, tant Baobima pas président, Baobenga, Mokona, Bétier, Pena face à face, Nabissier, que Bilogona Kuta, mais on a monté pas Nangaï. C'est comme ça qu'on dit, ta fragilise de l'autre côté. Lorsque vous avez monsieur comme monsieur Monkoulou, mon aîné, pour qui j'ai beaucoup d'estime, Olengankoy, qui sort, qui dit non, le chef de l'État devrait d'abord commencer par Kabila. Vous savez, on n'a pas de Mike Bongo, il y a une limbisaga consultation, la mission Batou. Le peuple est d'accord avec ces consultations. Mais à force, il y a aucun déboué. Ça risque de diminuer même la teneur et la consultation. Et puis, c'est un format Moussoussou. Proposition dans Yangouana. Deuxième proposition, Ezali Boué. Le chef de l'État, a tiki kanenge tout ça, va consulter, il n'y a pas de problème. Mais, Nakat Yassal, ça dit, tiki, journaliste, tiki, le format Ezali. Et les galeries open à TV, il n'y a pas de problème. Mais le chef de l'État fait ceci. Tant que Yamba Batou, Batounion son akati a sal oya kouzala ba bimi libanda. Tout le monde sort. Tout le monde sort. Batika li kakada directeur de cabinet na ye na ye moko. Mais tant que comme on a niveau ba proposition, au baton ba yenango, même le directeur de cabinet quitte la salle. Comme ça, le chef de l'État, Tikalina Moutouana, Yemoko face à face, Banikosolo. Parce que prenons un exemple. Vous pensez que Jean-Pierre Bemba va étaler toute sa stratégie, il a sorti la crise oyo. Devant ma conseillère à Félix Tshisekedi, il ne le fera pas. Croyez-moi sur parole, il ne le fera pas. Il va rester dans le principe où il va vous remettre un mémo en disant « Projet d'Abissou Yangouana ». Mais entre ce qu'il dit et ce qu'il écrit, il y a déjà un divorce. Mais le plus grand divorce est entre ce qu'il pense réellement et ce qui est écrit sur papier. Ce qui est écrit sur papier, c'est peut-être pour la consommation des médias. Mais ce qui reste dans sa tête n'est autant dans vos besoins. Et le chef de l'État ne peut pas qu'on soit venu au Kabatouana, n'a publié aussi Mbate.
Ça, nous disons parce que nous avons consulté aussi des gens. Je le dis parce que Tayo qui n'a eu qui battu. N'a discuté n'a battu. N'a l'ouka koué ba vérité à oh, na oh. Et ce sont les personnes vous disent les mêmes choses. Il dit Christian, avec cette histoire, le président Pak, personne ne peut lui dire des stratégies. Personne. Parce qu'en réalité, le président ne se met pas en position que Mouto a aidé convenablement. Pourquoi Mouto a aidé convenablement? Parce que Batobele Babi qui va top Baza Ebele. Aujourd'hui, le Congolais, à cause de l'argent, il peut trahir. Alors, quelqu'un, vous voyez vraiment Katoumi venir là-bas, un chef de l'État, Monique Kabila, il peut pas dire ça devant. Non, il peut pas. Il peut pas. Mais alors, s'ils n'ont pas un entretien libre, ceux qui vont dans Bangou Moroté, on va recouper facilement. Mais quand même, c'est compliqué. Mesdames et messieurs, je dois vous rappeler que ce qui Félix Tshisekedi, ma consultation, est raté. Je peux vous garantir, il se serait tiré une balle entre les jambes. Ce qui ma consultation, est raté, président de la République. C'est fini. On va dire autre chose. En tout cas, la deuxième possibilité est de dissoudre l'Assemblée nationale de la manière la plus dangereuse. Mais par contre, ce qui est chef de l'État, c'est là où discrètement, à celle où on a Nenga Likolo, Netilolo par exemple, toi, mercredi, je crois. Aujourd'hui, le chef de l'État peut décider, ils vont dire, ok, bon, j'ai entendu un compatriote, M. Christian Bossemé, il estimait qu'on fallait que tout ça, la discrétion, j'arrête les consultations à public. C'est fini, on chasse tout. Les caméramens, tout dehors. Quand ils entrent, on parle avec eux. Kagabangomuko, sans caméra, sans photo, sans rien. Et le président doit privilégier, pas doit, mais je propose que le président puisse s'entretenir avec Batouana, tête à tête. Beaucoup sont là, conseil, oui, mais dans une autre dimension, Yomoko, chef de l'État, n'a face à face. Et vous parlez dans le langage, n'a bino bomando sur le monde déjà. Monsieur Katumbital, on a besoin de tout ça, boue. Mais Naza a déjà un niveau, Naza n'a. On nous a déjà parlé de 260 députés qui seraient partis. Ok, c'est déjà bien, mais c'est fragile encore. Comment on fait pour changer la chose? Tabonga, il faut boue. Parce que moi, je dis toujours, mesdames et messieurs, le premier test au président de la République, il va faire passer ma députée Wana. Au bas de l'eau, il y a un côté Kuna, il y a un côté Moussous. Test à Liboso. Parce qu'il faut deux tests. Le premier test, faites tomber le bureau. C'est le premier test. Or, ce qui est là qui est discret, parce que dans ce moment, on appelle le député Moussous, ça veut dire la lettre d'engagement. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Les grandes choses ne se font pas publiquement. Non, les grandes choses, les grandes forces sont muettes. Bah, c'est le baramaka, il y a manimité, quoi. La complexité se retrouve dans la simplicité. Et surtout dans le silence, dans le calme. Si seulement la nuit pouvait dire ce qui se passe la nuit, il y a d'un compliqué. Donc, il y a un malembe. Premier test, ma députée Basangani, va lui dire que non, on ne veut plus de. On a quitté le FCC. On a... Bon, pas quitté le FCC parce que le FCC n'existe pas. On a quitté nos groupements. Nous ne voulons plus continuer à se reconnaître en une autre majorité. Nous ne nous reconnaissons plus dans l'ancienne majorité. Parce qu'ici, il s'agit d'une réqualification de la majorité ou alors de la recherche d'une nouvelle majorité. Toyokani, Bishonabiso, ABB, BBC, tout ça, Sangani entre Bango, c'est dégagé une majorité. Comme on a président de la République, président, Bishon majorité en haut, Yango. Alors le président va leur dire, bon, ok, nous avons d'accord, nous avons sûreté que Bolongo Kuna. Pour nous assurer, faites tomber la majorité, faites tomber le bureau. Bango, on a pas qu'on se constitue en équipe, motion, Madame Mabunda tombe. Si Madame Mabunda tombe, dans le bureau tout entier tombe, Bakoko qui relaxe sa présidente, mais mon président, on dit que toi fort, que tout ça déjà la majorité la dissout. C'est déjà une bonne chose. Deuxième test, le président va dire, ok, bon, d'accord, c'est déjà bien une majorité comme ça. Pour voter la Premier ministre, il est possible, Siko, oui, mais je vais faire bien les choses. Faites tomber le Premier ministre. Motion, la censure, le gouvernement tombe. Quand le gouvernement tombe, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On fait d'abord, entre-temps, on va faire une élection, un bureau. Le bureau est installé, on a commis président de l'Assemblée nationale ou président de l'Assemblée nationale, ça dépendra. Or, on a la majorité. En ce moment, les gouvernements majorité à Kabila, parce que majorité à Kabila, ça aura été déjà dissoute, n'a quoi sa majorité, quoi sa bureau à Parlement. Lorsque le bureau est à l'Assemblée nationale du Koui, la majorité finalement est dans la rue. Et lorsque la majorité est dans la rue, c'est maintenant Nabato, va se reconnaître comme une majorité, Balouka va désigner Moutounabango dans la présidente. Va composer bureau. Bah, on en a toujours dans le cadre. Voilà. En ce moment-là, il n'y aura pas de coalition parce que la coalition n'existe plus. On va aller comme ça dans ma force. Ça, ainsi de suite. Et puis, la même logique, éviter Premier ministre. Parce qu'en ce moment-là, il faut trouver que le Premier ministre a démissionné. Comme la majorité du Premier ministre tombera, en principe, le chef du Premier ministre, lui aussi, il faut démissionner déjà. Mais si on a démissionné, par exemple, a démissionné, la même Assemblée nationale, disons la même majorité, la nouvelle, bien sûr, ça, la deuxième test de la majorité.
bah évincé premier ministre et bah désigné si que par consensus ministre na bango et le chef de l'État qui sera le patron de la nouvelle majorité maintenant. Et quand il devient patron de la majorité, de la nouvelle majorité présidentielle, le système politique, notre régime, pardon, change de connotation. Pas de principe. Et c'est un système semi, tout ça, mais avec une connotation prononcée sur le présidentialisme. On tombe avec un président tout puissant. Il a la majorité parlementaire. Il peut, quand il a la majorité parlementaire, donc il a le gouvernement. En ce moment-là, le président de la République aura le gouvernement à sa guise. Il aura le Parlement en aguise, il peut s'offrir le budget de son choix, il peut s'offrir toutes les, je veux dire, tout ce qu'il veut, quoi. Il aura le moyen de sa politique, parce qu'on va contrôler le gouvernement, à contrôler la majorité parlementaire. Il peut faire passer des lois au EAE, et toutes les réformes peuvent passer sans être bloquées. Ça veut dire, en ce moment-là, il devient beaucoup plus fort et en position d'écouter Fayulu, sorti à crise Naé, en position d'écouter Jean-Pierre Bemba pour régulariser la situation, en position d'écouter le pouvoir judiciaire pour l'immunité et ainsi de suite. Et vous avez, il a la possibilité maintenant parce que son pouvoir va quitter la donne d'un pouvoir de concertation, comme c'est le cas maintenant. Ça sera maintenant un pouvoir de principe, un pouvoir de gestion maintenant. Et au moment que marge de gestion a eu fungwa mouké, parce qu'il ne sera plus tenté à retourner à Batoum, il ne demande plus. Et il est heureux qu'on a système, il y a Kabila à l'époque, avec une majorité, mais avec une bonne foi, en plus. Vous voyez? Avec une bonne foi, avec une bonne dignité, avec une bonne personnalité, avec une bonne perception de la gestion au pouvoir. Avec un peu, et surtout beaucoup de rigueur. Mais Biloko, tout est aussi macaque à ceux qui sont mis à la discrétion. Parce qu'il s'agit d'un combat ici. Parce que même les députés au Balingiba Lungona FCC, ils vont pas sortir, ils ne quitteront pas le FCC au jour, dans le jour, comme ça, tout le monde a bon. Non, ils ont aussi un peu de dignité. Alors, c'est maintenant au président de la République de couvrir Batoana. Si le chef de l'État veut faire passer à Elokona rapidement, le chef de l'État doit opter pour la discrétion. Les gens vont dire, non, il faut seulement la moïté. La politique ne se fait pas le jour comme ça. La véritable politique se fait dans le noir, quand on ne le voit pas. Dans le noir, on a besoin de la discrétion. Et ça noirté, et on aura discrétion. Je ne vois pas un Katumbi, je ne vois pas un Fayulu, je ne vois pas un Bemba, je ne vois pas un Ambongo venir s'exprimer et pas président de la République devant témoins. Je ne vois pas, ils ne le feront pas. Ceux qui baillent, bon, tout ça la révérence, ils vont se limiter dans le principe et ça ne va rien changer. Or, quand on reçoit un monsieur comme Ambongo, il a des choses à dire. Il a véritablement des choses à dire. Et parmi Makambo, Ambongo, il faut le bas. Et dans Makambo, il y a dissolution. Makambo, belé. Il faut le belé. Mais Aro le belé, on a mis sur Matoubouté. Aro le belé, on a mis sur Kamerate. Bon, il y a une vidéo, il y a une vidéo. On a vu ça. 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 On a la première chose, la suspension, il y a diffusion et la consultation. Suspension à caractère folklorique, là, spectaculaire, ou la consultation, ou les autres. Suppression, il y a presse, il y a salle, suppression. Là, deuxième proposition, là, les alliés maintien. Il y a caractère, il y a co-diffusé, il y a image, RTNC, médias, et qui est la consultation, et qui est le Kuna, et ça, bon, on est pas money. Mais, à l'intérieur alors de la salle, qu'il y ait rupture, qu'il n'y ait pas de personne à l'intérieur, que le chef de l'État consulte seul, parce que c'est lui qui consulte. C'est lui qui consulte et pas le contraire. On ne peut pas changer non, lorsque vous voulez vraiment abattre les autres, soyez discret. Vivre longtemps, c'est vivre caché. Ne montrez pas aux autres que vous êtes en train de venir. Et puis, il y a UDPS, il y a cash, il fallait éviter le discours tendant à apaiser les gens. Non. Il ne faut pas soit vendigner, soit continuer dans la logique qui a cours. Parce que ici, le problème, c'est l'opinion. Les gens n'ont pas compris la démarche du chef de l'État. La démarche du président, c'est l'opinion. C'est dire à l'opinion que voici, j'ai mis terme aux relations avec Kabila. C'est ça la logique du président. Alors, Bateau, Bazo, communiqué au nom et pour le compte du président, doivent maintenir Kapouana. Ils ne doivent pas venir nous dire non, le chef de l'État a la promenade Kabila. Personne ne les oppose les deux.
Personne ne les oppose, les deux. Il faut éviter de les mettre en conflit très souvent. Ici, il ne s'agit pas d'une guerre entre Kabila et Félix, il s'agit d'une guerre entre le bien et le mal. Entre le développement du pays et son inanition. C'est ça le problème aujourd'hui. Faudrait pas qu'on se trompe. Ne nous perdons pas. La logique veut que le chef de l'État a recevoir Batouana Yemoko sans conseiller. Yemoko sans directeur de cabinet à une certaine mesure. Surtout, Bapoua Mine Niwana, le chef de l'État, doit le recevoir Yemoko sans Batou, sans conseiller, sans rien. Lui-même, le chef de l'État, peut avoir un stylo et un papier et est en train d'écrire ce qu'on lui dit. En réalité, c'est lui qui doit donner le contenu à Union Sacrée. Quand les gens viennent l'écouter, ils viennent dire, ok, chef de l'État, qu'est-ce que tu entends par Union Sacrée? Bon, voici moi mon entendement. La Union Sacrée Yango. Point de vue Nanga Yango, mais yo lobini. Non, président, pour Nanga, il a boué. Ok, na yo ki Yango. Le chef de l'État a écrit, a posé pas de questions. Bon, on s'en boué. Et convenant, Nanga, il a boué. Au moins, il a été président. T'as la boué. Ok, merci beaucoup, monsieur Katumbi. Ok, monsieur Bemba, regardez. Monsieur Ambongo, regardez. Bah, solo li Yango Nyoso. Et le chef de l'État dit, ok, merci beaucoup, vous entendrez ma réponse. Et au bout de deux semaines, une semaine, le chef de l'État en rubima, va tout bandoser là. Parce que le premier là, suspense. Mais nature la consultation, oh, et bomi dans mon suspense. Suspense, c'est athée. Il faut battre tika la suspense, alors, mais akolobanini. Et quand le président, le jour, il va venir dire des choses, tout le monde dira, ok, nalandaye. Au moment où le président, à qui la prestation serment, pouf, mamoko, il va parler. Au moment où il va tout tourner balandaye, parce que les gens ne s'attendaient pas à ça. Mais ce qui va, le jour, va déclarer, bon, c'est la fin des consultations, le président va parler. Et vous avez moins de faits. Les gens vont s'attendre, bon, il va déjà dire ça, il va déjà dire ça. Mais si le chef de l'État se tait, information de tweeter, qui le président recevra demain, va éviter. Qui recevra l'autre jour Baïbité? C'est bien comme ça. Comme ça, vous mettez les gens dans un trouble. Baïbité, exactement, et Zanin. Ça permet à démobiliser les autres. Parce que Baïbité, place Nimbokomi, niveau Nimbokomi. Mais dans la minute, les états-majors, ils ont calculé. Bango peut voir ça, analyse. Bango peut voir ça, traitement à Bango. Ayambaki Mosengo. Ok, Mosengo l'obi boy. Donc, il cause à la boy. Ayambaki Moutoutel, l'obi boy. Donc, il cause à la boy. Et ils font eux-mêmes, ma recherche. Alors, pour broyer ma piste, wana, éviter simplement le folklore, tout le monde là-bas, 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 on a battu, tout le monde là-bas, spectacle, que personne ne soit au courant de ce qui se dit. Et un jour, quand on a vu qu'il est en train de ranger sa bimie, allez, m'balamoko. Nous, nous voulons un Fatshi imprévisible. C'est ça, en fait. J'appelle de tout mon vœu un Fatshi imprévisible, qu'on ne calcule pas, qu'on n'imagine pas non plus, mais qu'on sent venir rapidement. Disons que l'on sent arriver, pas que l'on voit venir. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur DigiLink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur djjlink.com. Debout Congolais, unis par le sang. Dans le fort pour l'indépendance. Tuez-les aux hommes, s'ils ont pris droit. Daïmada, Chino, Tuenéré, Nakinia, Panapiko, Namosara, Toto, Gambo, Kakule, Kakitoko, Nakinia, Panapiko.
Congo, Noyemani, Noyembolo, Nende Yalisa.